Bonjour. Dans cette machine Tritico, nous avons la possibilité de 3 programmes pour faire la cristallisation du chocolat. Donc le programme chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Donc le chocolat monte en température, redescend et remonte donc pour refaire le cycle de cristallisation. Vous réglez vous-même le temps de fonte, la température de fonte, la température de point de cristallisation et la température d'utilisation. Donc je vous invite à passer sur la machine Tritico. On va intégrer la goulotte. On va aller dans la bibliothèque. On va choisir l'espace des livres de process, le chocolat, chocolat fondant, validation et start. C'est parti. Donc j'ouvre la porte, je mets le chocolat. On va régler la température 51 ou 52. On arrivait en température de cristallisation, alors donc tous les beurres de cacao sont cristallisés. La machine, vous voyez, 28-29, elle remonte à 31 degrés, donc en phase de réchauffement, de façon à avoir tout le brillant du chocolat. Alors là, on arrive en phase finale, ce qu'on appelle la phase finale. Ouvrir la vanne, extraire le chocolat tempéré. Donc, je prends le récipient, voilà. Je prends le récipient. Je vais ouvrir la vanne. Et là, on a un chocolat, vous voyez, d'une structure parfaite, d'une fluidité sans précédent. Et pourtant, au départ, on a démarré avec des gros morceaux. Regardez la fluidité. Donc là, regardez la cristallisation. Voilà. On peut prendre 2 minutes. Regardez, donc la cristallisation est parfaite. Ce qui est intéressant, c'est que ce chocolat, il cristallise, mais on peut travailler, rester pendant quand même assez longtemps si on veut travailler.